OK, vu que nous avons créé notre menu, nous l'avons manipulé. Maintenant, nous devons maintenant l'interagir avec donc nos boutons, enfin nos options de menu. On commence d'abord par l'accueil. L'accueil. Je vous ai dit, on va mélanger utilisation des plans, comme là maintenant, c'est l'utilisation des plans. Dans l'autre, c'est utilisation introduction des fenêtres internes ou bien intégration des fenêtres internes. Ici, c'est utilisation des plans. Pour utilisation des plans, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, va au plan 2. Il n'y a plus rien, non? Ça, non? Je peux donc appeler mon plan 1 en disant ma fenêtre 1, point, point, plan égale, ça dépend. Normalement, c'est égal 2. Parce que ma fenêtre d'accueil va être au plan 2. Oui. Ma fenêtre d'accueil va être au plan 2. J'aurais dû faire ceci. Oui. Ma fenêtre d'accueil va être au plan 2. Ou bien, j'aurais dû faire ceci. J'associe encore. Contrôle. Je vous ai montré, non? Voilà. Là, ça signifie que c'est bon. On va plus trop cliquer. Alors, j'ai dit quoi? Plan, plan, égale quoi là? Maintenant, lip titre. Je pense que c'est ça. On a dit, je vous ai montré une autre façon d'écrire. À défaut d'écrire chaîne construite, on peut utiliser ceci. Et pour s'assurer que ces opérateurs sont acceptés, vous venez ici dans projet, description du projet, hein, dans compilation, je pense. Vous cochez. Par défaut, c'est coché. OK. Donc, pour dire quoi, autoriser ces opérants dans les chaînes. C'est ce qu'on a fait hier, non? Donc, à l'intérieur, je dis projet info. Je ferme. Ici, je dis deux points accueil. C'est bon, n'est-ce pas? OK. Maintenant, dans notre fenêtre d'accueil, on a déjà notre fenêtre d'accueil. Maintenant, on va écrire quelque chose là-bas. On ne sait pas ce qu'on va écrire. Mais on doit écrire quelque chose. On doit écrire quelque chose. On enlève ça. Ah. Pas grave. On dit. Non. Alors, je viens à l'humain. Voilà. Je dis texte accueil. Bon. C'est qu'on commence par là. Ça va être comme ceci. Peut-être lettre majuscule. On va mettre un peu de robot. Est-ce que quelqu'un peut nous dire
Pour encore nous lire le texte de du mobile, du web. Le web, on avait écrit un texte, non? Dans WebDev. On a écrit un texte d'accueil. On disait bienvenue, tout un tas de trucs comme ça. Je me rappelle, je n'ai pas ça en tête. Le texte d'accueil. Dans WebDev, on a fait ça. Avec un texte d'accueil. Comme quelqu'un me lise ça, celui qui a déjà lancé WebDev. Texte multilingue, oui. C'est bon. En mode affichage seul. Bon, on va dire ici, on affichera un message de bienvenue. Comme on ne parvient pas à trouver ce texte. Alors, du coup, je viens donc interagir dans mon menu là. Je sais que il va m'appeler ma fenêtre. Égale 2. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, pour dire que les autres, c'est 1. Oui, les autres c'est 1. Et il y aura donc un champ fenêtre interne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur. Bon, on va dire recensement. Hein? Recensement, on va afficher, on va créer nos fenêtres internes. On va dire fenêtre interne. Fenêtre interne, on dit recensement. Voilà. Comme je vous dis toujours, j'évite, je ne veux pas. Je viens avec la largeur. La largeur, je regarde. On est à 318. Donc, 315 me va bien. Je viens donc mettre 315. Il était à 300, je mets même 313. C'est bon, non? Voilà. 313. Le reste sans changement. Maintenant, voilà ma fenêtre interne. Et je dois faire ceci. Chaque fois que j'appelle la fenêtre interne, le titre devrait aussi changer. Donc, là à l'intérieur, par exemple, on a dit recensement, c'est lui. On peut dire change fenêtre source diaspora FI recensement. Maintenant, on a un titre. On a un titre. On vient là, on a notre titre qui est par exemple
sens, vraiment. Si on exécute pour voir. Vous avez vu, non? Bon, on va aussi jouer avec ça. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand on rentre, il reprend ce titre. On a dans notre fenêtre recensement. On va créer notre sous-dossier TDB. On va aussi créer notre dossier statistique. Notre garde TDB, c'est toujours fenêtre interne. On a dit 315, non? Non, non, 13. J'ai dit 13. 313. Ça, c'est TDB. Je n'ai pas nommé TDB. Ah oui. Après, on fait statistique, qui est une fenêtre interne. Stat. On met aussi 313. Voilà. Maintenant, on vient dans là. Donc, là c'est TDB, n'est-ce pas? Et si on dit tableau de bord, en bas on met statistique. Statistique. Je pense que j'ai bien écrit. Si on fait stat. Vous voyez donc qu'on a terminé. Si on exécute, on a, c'est tout ça qui s'affiche toujours. Tableau de bord, stat, recensement, statistique. Tableau de bord, recensement, statistique. Maintenant, on peut juste faire un petit truc dans la zone pétée. On lui dit d'enlever ça. Voilà. OK. Voilà donc l'interaction de nos menus. Là, nos menus sont déjà, enfin, notre interface est déjà préparée. On a une fenêtre, on a un message d'accueil. Quand tu finis de lire, tu peux soit venir au recensement, avoir le tableau de bord ou avoir les stats. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, dans la suite, et ceci après, parce que je vais quitter là maintenant, dans une minute, nous viendrons maintenant faire les formulaires. Mais vous pouvez rester, déjà commencer à faire ceci. Je vous donnerai le début de ce projet, que vous allez donc rester faire. De telle manière que quand je vais revenir, on peut déjà avoir un dé, mais je vais continuer. OK, donc, à tout à l'heure.